Bon, on essaye avec le son, Loïc. Tu m'entends bien? C'est pas. Ouais, ça a l'air bon. Retour du Jedi. Bonjour Sandrine, toujours à l'heure. C'est bien. Oh. Aujourd'hui, on parlait du travail besogneux. Bonjour Loïc. Ah non, c'est le même, pardon. Oh là là, bon. Et les messages arrivent 2 minutes avec un décalage. Bon, je suis pas très en forme aujourd'hui. J'ai une petite visite médicale de rien du tout, mais ça m'a crevé. Il a fallu que je me lève aux aurores, tout ça. Bon, donc on va faire juste un truc 5 minutes. Non, je plaisante. Donc, allez, on y va. Je mets. Hello tous. Donc. Aujourd'hui, on va parler rédaction et contexte de lien. Alors, quand je dis rédaction, je ne vais pas vous apprendre à rédiger. Normalement, vous le savez. Enfin, j'espère. On va plutôt voir dans l'interface ce qui nous permet ou pas d'optimiser un texte, quelques astuces, voir comment on implémente le maillage. Est-ce que ce sont les mêmes lexiques qui servent au contexte de lien et à l'optimisation, etc., etc. Bonjour Bertrand, bonjour tout le monde. Alors, pour l'instant, il y en a sur Facebook et Periscope. Hein? Alors, vous n'êtes pas encore très nombreux, mais bon, il y a 11 personnes déjà. Alors, on va essentiellement partager l'écran aujourd'hui. Donc, c'est bien, il y en a qui aiment bien que je manipule. De toute façon, il faut qu'on manipule aujourd'hui. Donc, je vais vous montrer des petites choses. Voilà. Alors, on bascule. Donc, vous voyez plus ma tête jusqu'à la fin. Même à la fin, vous ne me verrez plus. Voilà. Au revoir. Hop là. J'ai changé d'écran. Alors, imaginons qu'on ait calculé un lot. Alors, l'espèce, je vais appeler ce lot la rédac web. J'ai pris bêtement rédaction web et rédacteur web. J'ai collé ça dans Eureka. J'ai eu une sortie de 33 métamots, de 33 sujets, pardon. J'ai calculé les métamots. Je n'ai pas vérifié du tout ce que ça donnait. On voit que là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais enfin, logiquement, il y a bien rédigé pour le web Isabelle Canivet, ça va être son bouquin. Voilà, bon, il y a quelques petites choses. Alors, il y a d'autres métamots de calculer. Globalement, il comprend le. On va dire que la rédaction web est un thème que connaît quand même pas trop trop mal Google a priori. Alors, déjà, au niveau de la préparation du travail, on a des métamots, on sait qu'on veut faire, allez, je sais pas, 1000 mots, admettons, hein. Vous verrez dans un interview que j'ai fait vendredi chez Christophe Vidal que je parle de cette fameuse question de la longueur des textes. Qui en fait n'est pas tranché définitivement aujourd'hui, puisqu'on fait le texte, on dit ce qu'on a envie de dire, il faut pas ni raccourcir ni rallonger, on dit ce qu'on a à dire, et puis voilà. Hein. Alors parfois ça fait 1000 mots, parfois ça fait un peu moins, parfois ça fait un peu plus. L'inconvénient, c'est que quand on fait moins de 700 mots, on risque de pas être super, super bien intéressant pour Google. Et donc, faut parfois soit avoir un sujet qui permet de dire plus de choses, soit ce qu'on veut dire, ça c'est plutôt un paragraphe de quelque chose et non pas un texte à part entière. Mais on ne doit pas aller au-delà de ce qu'on a à dire. Il ne s'agit pas de redire ce qu'on a dit au premier paragraphe dans le troisième, histoire de rallonger un maximum. Il ne s'agit pas non plus de digresser, de partir sur autre chose. Il faut vraiment parler en cylindre et aborder le sujet jusqu'au bout. D'accord? Donc là, je vais vous montrer déjà quelque chose. Il y a beaucoup de personnes qui ne le voient pas. Ce qu'on appelle l'onglet optimisation. Pardon, excusez-moi. Simulation. C'est là que je voulais aller. Alors, l'onglet simulation permet à l'avance, avant même de commencer à travailler, de choisir la taille qu'on envisage pour les mots. Alors, bon, hormis la réserve que je viens de faire précisément sur la longueur. Qui est jamais fixé, mais enfin ça permet d'avoir un ordre d'idée. Admettons on pense qu'on a 1000 mots à faire. J'ai ici comment faire de la rédaction web. Si je clique là-dessus, je suis donc dans simulation. Hein. Et là, sur le métamot là, je vois les lexiques que je dois mettre, hein, ici à droite.
et je vois le nombre de fois où on doit les, ou a priori on doit les mettre. Alors je précise à ce niveau-là que oui, il faut mettre effectivement en principe toutes les lexies. On peut parfois faire l'impasse sur les autres lexies parce qu'elles ne sont pas sûres. Et du coup, si elles tombent complètement à côté de la plaque, ce n'est pas la peine de se forcer et de mettre des trucs qui ne veulent rien dire dans le texte. Si elles sont déterminantes et que vous ne pouvez pas les utiliser, interrogez-vous sur votre sujet qui peut-être est un peu à côté de la plaque. Logiquement, tout ce qui est là, si Google a bien compris, tout est déterminant, tout doit être utilisé. En général, c'est plutôt deux fois. Il peut arriver que sur Bitbourne et quelques mots, trois fois, quatre fois, ça peut arriver. Sachant que ça ne descend jamais en dessous de deux. Parce que, on ne peut pas dire qu'un mot qui est présent une seule fois, il est une fréquence. Ça paraît idiot comme truc, mais ce n'est pas une fréquence, c'est juste une apparition. Donc dans l'idée, à partir de 2, on signale déjà quelque chose à Google, alors qu'à 1, on n'a fait qu'utiliser un mot, on n'a pas réellement envoyé de signal. Si pour un contenu de 2000 mots, vous ne savez pas comment utiliser, voilà, paragraphe, lecteur, ça devrait aller. Mais imaginez que vous ayez une lexie où vous ne voyez pas trop comment l'utiliser trop de fois. N'oubliez pas qu'à 1000 mots, on peut commencer à mettre une table de contenu, hein, une petite table de matière interne à la page. Et donc, on peut mettre la lexie à la fois dans le H1 et à la fois dans la table de matière qui renvoie vers la H1, la H1, la H2, autant pour moi. Donc, vous pouvez avoir des H2 avec des lexies et puis renvoyer. Du coup, ça fait une fois dans la table des matières et une fois dans la H2. Ça permet de caser quelques lexies qui peuvent vous sembler importantes, mais qu'il est difficile de placer trop de fois. Ça arrive notamment quand on a un mot qui va apparaître dans plusieurs lexies. Imaginons que ici, on est web à chaque fois. À la fin, ça finit par être lourd à lire. Et donc, si on veut vraiment mettre tout deux fois, on va faire un texte qui n'est pas naturel, alors que mettre le H2 dans la table des matières, pour faire, enfin, mettre le titre de la H2, pas la balise H2, mais l'intitulé de la balise H2, le mettre dans la table des matières et faire un renvoi, vous le mettez deux fois, personne n'y voit redire. Hein. Ça peut arriver qu'on ait du mal à trouver comment les mettre. Hein. Alors là, c'est simplement pour vous montrer que ça existe et que vous pouvez ici extraire un PDF en cliquant à droite de toutes les métamots pour 1000 mots. Donc ça vous permet d'avoir à l'avance les simulations. Alors, la simulation, c'est une indication avant de commencer à démarrer. Bien entendu, ici, on n'a pas forcément classé déterminante, pas déterminante. C'est vous qui verrez ça au moment de passer à l'acte. Alors, quand on voit maintenant dans optimisation, alors là, cette fois-ci, j'ai mes textes. Je sais. Bonjour Philippe, excuse-moi. Bonjour Bertrand aussi, je crois que j'ai. Alors, ici, j'ai rempli une page et j'ai un métamot qui est ici. Et si je clique dessus, j'arrive sur ma partie optimisation. Alors, je précise que le texte n'est pas de moi. Que je me suis contenté d'aspirer une page qui est censée être la mienne, bien sûr. Admettons que j'ai un texte en ligne, je mets l'URL ici et je fais récupérer. J'insiste sur une chose. Ici, on se sert du code source, du code de readability. Ça veut dire que si votre template est mal découpé, il manquera peut-être des morceaux de texte dans le texte. Voire vous aurez peut-être des trucs en plus comme les menus ou autres. Donc vérifiez bien que ici c'est votre texte en entier, mais que le texte, pas les éléments d'interface. Alors comme vous le voyez, on n'a pas la mise en forme, mais on s'en fout ici. Hein. Si vous voulez vraiment faire une mise en forme à cet endroit-là, bon, je ne sais pas ce que vous pouvez gagner, mais enfin bon, voilà quoi, titre H2, voilà. Bon, pardon, excusez-moi. Ah, peut-être que je mette un retour chariot pour que ça marche. Alors, hop. Mais c'est pour la forme parce qu'en réalité, on s'en fout ici. Hein. On ne va pas appuyer sur un bouton et mettre ça en ligne. Hein. Donc, quand on a un texte, qu'il ait été copié-collé là-dedans, qu'il était rédigé directement dedans, attention, gardez toujours une copie, ou que ce soit parce que vous l'avez aspiré,
vous avez un calcul qui ne se fait ici que si vous appuyez là, sauver et calculer. Alors là, il était déjà dedans, donc le calcul était déjà fait. Alors nous, on ne parle pas de pourcentage, on ne parle pas de toutes ces choses-là. On parle de nombre de fois en fonction de la longueur du texte que vous avez mis. Ça veut dire que si vous mettez un long texte, il vous dira éventuellement d'en mettre un peu plus ici. Sachant que jamais ce n'est bourriné là. Jamais. C'est-à-dire que vous ne pourrez jamais vous faire cramer de Google parce que vous avez mis un mot trop de fois là-dedans. C'est pas possible. C'est doux, très doux. Si un mot, par exemple, prédacteur web, vous voyez que la tendance est à bourriner un peu, là, au contraire, on dit même de l'enlever deux fois. Parce qu'ici, il y est de trop. Alors, je me suis, par rapport au métamot, s'entend. Je précise que je me suis contenté de taper mon sujet, hein, apprendre à rédiger pour le web, je l'ai tapé, j'ai récupéré la première page, basta, j'ai pas fait plus d'efforts que ça. Hein. Donc, cette personne n'avait pas forcément calculé le métamot avant. J'ai quand même le mot lecteur qui est pile poil ce qu'il faut par rapport à la longueur. Ici, j'ai quelques petites statistiques à droite. Alors, je vais vous passer 2 secondes pour expliquer ça. Nombre de phrases, 63. Bon, est-ce que vous dis ce qu'est une phrase? Je ne suis pas sûr. Sachant que malgré tout, que ça compte pour une phrase, même s'il n'y a pas de point. Puisque on considère que c'est une phrase dès lors qu'il y a un saut de style, que ce soit un paragraphe, que ce soit une hache ou autre. Hein. De même, dans des éléments de liste, ça fait aussi des phrases. Et même plus ou moins en français, les listes, chaque élément de liste est une phrase, sachant toutefois qu'on ne les termine jamais a priori par des points, c'est une faute de style. Ça peut se terminer par des virgules, parfois des points-virgules, et qu'on met éventuellement un point sur le dernier élément de la liste. Je précise aussi que pour les listes à pull, ça n'a aucun sens de mettre etc. comme dernier élément de la liste. Par définition, on ne mélange pas ce qui est exhaustif avec quelque chose qui est censé être ne pas l'être. Enfin, ça ne tient pas debout. Donc, on ne met pas de etc. dans une liste. On le met dans du texte. Bon, cela dit, vous n'êtes pas obligé d'être puriste. Hein. Moi, je le suis, mais bon, chacun son truc. Le nombre de mots, c'est le nombre de mots trouvés dans le texte. Or, c'est vrai que le problème des nombres de mots, calcul de mots, c'est qu'il n'y a aucun éditeur de texte qui va vous donner la même quantité. Parce qu'il y a plusieurs façons de calculer ça. Soit vous comptez les blancs, les points, etc. Il y en a certains qui considèrent que une virgule est un mot. Je crois que c'est OpenOffice qui fait ça, je crois. Je sais plus quel logiciel qui vous compte les virgules comme des mots. Bon, ok. Donc c'est indicatif. Nous, on compte les blancs, je crois, hein, tout simplement. Et puis voilà, on retire la ponctuation et on compte les blancs. Sachant que quand vous avez 10 mots, il n'y a que 9 intervalles quand même. Hein, je vous le dis au passage, ça vous renvoie à la leçon de calcul en primaire avec les platanes, vous savez. Et puis, enfin, si vous avez appris ça, hein, parce que moi, je suis de la vieille école, donc on apprenait encore les platanes ou les gares avec le nombre de trajets entre les gares, voilà. Nombre de caractères, c'est pareil. Là, on compte tous les caractères. Donc là, c'est purement numérique. On a trouvé 6615 caractères. Ça n'a pas trop trop d'importance. Là où ça commence à devenir intéressant, c'est le nombre de mots par phrase. En rédaction web, on s'accorde sur le fait qu'aucune phrase ne doit dépasser 13-14 mots pour une question de fatigue visuelle. Alors après, certaines thématiques sont un peu plus dures à cette quantité-là de mots par phrase, notamment le cas du référencement, parce que beaucoup de mots sont composés, car c'est quelque chose qui est venu après coup, après que bien des choses du français soient installées. Donc par exemple, référencement SEO ou référencement Google, ça fait un mot composé. Et du coup, dès qu'on colle ça dans une phrase, ça fait un mot de plus dans la phrase. Et puis, beaucoup de choses aussi doivent être précisées. Même rédacteur, vous avez rédacteur web, vous avez rédaction SEO, vous avez rédaction technique. Vous voyez bien que rédacteur su ne suffit pas en lui-même pour définir une profession. Rédacteur web, on a aussi, rédacteur sémantique, ça c'est pour rire. Donc là, déjà, on voit qu'en moyenne, on est trop élevé.
par rapport aux standards qu'ont été acceptés. Et notamment, ben, on trouve ça notamment dans le livre d'Isabelle Canivet, qui parle même de 12 mots. Enfin, dans une précédente édition, je ne sais pas si elle le dit toujours. Hein. Moi, j'ai une vieille édition de son livre que j'avais lu il y a une dizaine d'années, je crois. Et elle préconisait 12 mots de mémoire, ce qui est absolument impossible à faire dans les métiers du SEO quand vous parlez de SEO, mais ce qui est possible pour un client par contre. Ça fait des petites phrases courtes, c'est sympa, parce que du coup, il n'y a pas de remplissage. Vous ne mettez pas de plus et encore, virgule, et puis la plupart d'eux, soit assez souvent, ou ils étaient une fois, enfin, toutes ces conneries-là, qui n'apportent rien d'un point de vue sémantique, vous mettez votre sujet, votre verbe, votre complément, vous avez droit au but. Normalement, il n'y a pas lieu de faire 40 mots dans une phrase. D'accord? Alors, il y a ça, et puis il y a chose qui n'est pas précisée ici. Ça, par exemple, pour moi, c'est trop. Cinq lignes à la suite, visuellement c'est fatigant. Admettons que ici ça se coupe bien, car il ne faut pas couper les phrases en plein milieu au prétexte de faire deux lignes, trois lignes, on ferait plutôt ça pour moi. Alors, certains disent que les lignes blanches sont pénalisées. Alors ça, je ne sais pas d'où ça sort. Moi, j'ai vu qu'au contraire, les textes passaient mieux. Donc, je ne vois pas pourquoi Google irait pénaliser les gens qui mettent des lignes blanches. Mais bon, tous les goûts sont dans la nature, tous les avis sont dans la nature, c'est une question d'interprétation. En tout cas, un texte qui est comme ça, avec des beaux titres, vous voyez, comme ça, hein, c'est quand même vachement plus agréable à lire quand c'est bien foutu. L'œil ne fatigue pas, hein, sachant qu'à chaque fois, dans la plupart des éditeurs, vous pouvez, ici c'est un intertitre, vous pouvez en appuyant sur la touche Shift retour chariot, vous faites juste un aller un retour à la ligne sans faire de saut de paragraphe. Hein? Donc ici c'est aussi un intertitre, je le mets uniquement pour que ce soit visuel pour vous. C'est vrai que ça c'est quand même plus agréable qu'un gros pavé qui suit, qui est illisible. Pensez au lecteur, pensez à la fatigue visuelle. Moi j'ai qu'un œil et je peux vous dire que quand j'ai qu'un œil qui voit, l'autre est là, mais il ne sert à rien, ou presque. Je dis toujours mes yeux, parce qu'il voit quand même un demi-dixième à peine. C'est toujours ça. Et quand je vois un texte qui m'oblige à lire six lignes à la suite, je me barre, je n'arrive pas à lire. Donc, et pensez que sur le web, quand vous êtes avec un petit MacBook ou un petit Mac avec un écran Retina, s'il faut une loupe pour arriver à lire, le lecteur se barre. Il ne reste pas sur votre site. Je ne parle même pas sur un téléphone, quoi. Je veux dire, c'est... Donc, il faut aérer un peu. Alors, l'ergonomie mobile est un petit peu différente, mais songez à regarder quels sont les standards pour avoir une lecture reposante. Hein. Et du coup, comme Google observe tout le monde, comme il sait quel est le comportement en face d'un texte plus ou moins mis en forme de telle ou telle façon, intéressez-vous vraiment à la manière dont les internautes apprécient le contenu pour reproduire la même chose de manière à ce que Google ne flappe pas la page, car il sait repérer les comportements et il a des stats sur ce que doit être une page visuellement sympa pour le lecteur. Ok? Bonjour, moi. Excuse-moi, je n'étais pas sur mon chat. Alors, ici, facilité de lecture. Alors, ça. C'est les formules de Fletcher, donc ça, je ne vous oblige pas à comprendre ce que c'est, mais disons que l'un est une espèce d'articulation sur la complexité des syllabes qui fait que, du coup, vous pouvez avoir des phrases plus compliquées à lire que d'autres, quelle que soit la langue. On admet que le français, c'est fait pour les Français, ok? Une fois qu'on a posé ça, on va avoir... un texte qui statistiquement contient un certain nombre de syllabes et de signes. Alors, ça marche bien pour l'anglais, ça marche bien pour le français, également pour l'espagnol. N'espérez pas faire pâcher du cyrillique là-dessus. Par ailleurs, il n'y a pas de valeur absolue, ça va de 0 à 100. Ce qui importe, c'est quand vous apprenez une page concurrente ou une page référente, vous regardez son niveau de lecture. Et vous essayez d'être plutôt à peu près dans les mêmes clous. Il y a, pour certaines thématiques, ça va être plus élevé que d'autres. Donc il faut en gros être à peu près comme les autres de ce point de vue-là.
Mais vous n'êtes pas obligé de regarder ça. Si effectivement vous laissez aller votre plume et que pour vous, votre texte est clair, se lit facilement, ben c'est bon, hein. Somme toute, c'est un indicateur qui est notamment très utilisé par la presse anglo-saxonne, et c'est même une condition pour paraître en première page de certains journaux américains. Un journaliste qui ne passe pas ça, ne peut pas avoir accès à la première page des grands journaux américains, et ça fait 70 ans que ça dure. Apparemment. Hein, je n'ai jamais été journaliste au Washington Post, donc je ne peux pas vous dire. Le niveau du lecteur, là, c'est le pendant un peu de ce qui précède. C'est-à-dire quel niveau doit avoir votre lecteur pour comprendre ce que vous dites. Niveau dans la thématique. Alors là, je vous fais. On va pas faire des maths aujourd'hui, mais disons qu'on est capable de détecter si effectivement un texte, ça c'est les mêmes qu'on a développé les deux formules, on est capable effectivement de détecter si un texte est complexe à lire. Et donc, du coup, du niveau moyen de compétence du lecteur, est-ce qu'il y a des mots un peu experts, etc., etc., dedans. Donc tout ça est pris en compte. Donc c'est une formule mathématique qu'on a d'ailleurs, ceux qui avaient eu une manne et une spinner, je l'avais aussi mis là-dedans. C'est également une indication, là c'est 11, si vous êtes à 70, il n'y a qu'un texte scientifique qui peut se permettre d'aller à 70. Ça paraît assez clair. 11, bon, ça va, c'est pas méchant, quoi. Hein? Malgré tout, là aussi, en fonction de votre site, sachez que quand vous avez une note trop basse, vous pouvez emmerder quelqu'un qui cherche un truc scientifique. Si vous êtes à 10, il va trouver que vous êtes banal, vous vulgarisez. Lui, c'est pas ça qu'il veut, il veut un truc expert, voilà. Donc, essayez de jeter un petit coup d'œil si vous avez le temps. Voilà, bon, ce n'est qu'indicatif, ok? Alors, bonjour Philippe, bonjour Valérie, qui ai-je raté l'autre? Non, pas, non, justement. C'est pas plus la valeur est forte, mieux c'est. C'est est-ce que je suis à peu près comme mes pages concurrentes, les pages que je veux, qui pour moi représentent, ou pour Google représentent, ce qui est bien par rapport à ce que je veux dire et par rapport à mon lecteur. Il y a des thématiques où il faut être à 50, et il y a des thématiques où il ne faut pas dépasser 15, ça dépend. Si vous parlez par exemple de loisirs, vous n'allez pas vous taper 50, vous n'êtes pas en train d'expliquer, je sais pas moi. Un truc sur la décomposition nucléaire, enfin sur la fusion nucléaire, la fission nucléaire, excusez-moi, vous n'êtes pas en train d'expliquer l'équation de Schrödinger, où vous seriez à 90, vous n'êtes pas en train d'expliquer ça, vous êtes en train d'expliquer un beau voyage sur les Seychelles, bon, tout le monde connaît les mythes du Seychelles me concernant, donc voilà, enfin le mythe, donc voilà, donc effectivement, tout dépend, encore une fois, de l'aspect loisirs, sciences, voilà, il faut regarder où se situent les autres. Est-ce que du coup vous avez fait plus compliqué ou pas? Ça peut être un choix d'ailleurs d'être un peu plus compliqué que d'autres. Vous regardez, bon, ce n'est qu'indicatif, hein, vous ne passez pas votre temps là-dessus, ça vous donne une note. Si la note vous semble élevée, regardez si les autres n'ont pas fait pire ou moins bien, puis voilà. Ça ne tient pas compte par contre de l'orthographe, de la grammaire et de ces choses-là. Hein. C'est vraiment très phonétique hein, comme algo, ça. Hein. C'est, voilà. Alors, une petite chose curieuse que personne ne voit, c'est ça, ici. Les co-occurrences. Alors, ça, pour le coup, par rapport au sujet, c'est des tas de trucs qu'on a ramenés, qu'on n'a pas. Bonsoir, Valérie. Non, Valérie, j'ai déjà vu. Vous avez là des tas de co-occurrences, et si vous voulez faire un copier-coller, vous appuyez ici, et là, vous les avez dans une liste, et vous faites un copier-coller pour le mettre dans le truc de texte que vous voulez, dans l'éditeur de texte que vous voulez, voilà, vous l'avez, vous pouvez le mettre, voilà. Sinon vous revenez à cette liste-là. Alors, c'est des idées, hein. Vous pouvez ou pas en parler, c'est fait pour, on va dire, débrider les neurones, quand ils sont un peu coincés, ça peut être utile, ça n'a aucune valeur SEO, ça n'a aucune valeur par rapport aux métamots, c'est juste des lexies. Enfin, ce n'est même pas des lexies, ce sont des co-occurrences, des trucs qu'on a trouvés quand on a fait les vérifs et qui nous ont semblé pas mal et qui sont là. Voilà. Alors, peut-être que dedans, vous voyez, par exemple, à un moment, on a activité de rédacteur web. Si je n'ai pas activité ici, non, je n'ai pas activité, peut-être que j'ai envie de parler de ma profession de rédacteur web et du coup, je vais parler de l'activité. C'est une idée de paragraphe comme une autre, hein, je l'ai là. Bon. C'est classé par ordre alphabétique ici. OK?
Enfin, vous avez ici des mots non recommandés. Alors, je tiens bien à nuancer ça. Ce n'est pas qu'ils sont interdits. Et ce n'est pas qu'ils sont hors de la thématique. C'est juste qu'il ne faut pas insister dessus. Car si vous insistez dessus, vous allez expliquer autre chose que ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que vous allez aller un petit peu à côté de l'empreinte que vous voulez donner à votre. Au calibrage de votre sujet. En gros, je disais l'autre fois que quand on faisait cocon sémantique, on avait le mot SEO dans les mots interdits assez souvent, parce qu'effectivement, si vous insistez trop sur l'aspect SEO, quelque part, vous insistez du coup pas assez sur la partie sémantique. Ça paraît bizarre, mais Google fonctionne comme ça pour ça. Donc en fait, ce sont des indices qui peuvent le perturber, qui peuvent faire croire que finalement, vous ne parlez pas autant que ça du sujet que vous revendiquez. Donc, pas plus d'une fois et pas tous. Hein. Ce sont simplement des alertes au cas où. Il n'y a pas, par contre, ici de signalement nulle part que vous les avez ou pas utilisés. À vous de faire attention simplement à ces mots-là. Si vous mettez une fois, ce n'est pas grave. Hein. Alors là, pareil, hein, vous pouvez exporter la liste. Hein. Alors ça, personne ne le voit, c'est normal. C'est caché. Bon. Alors, l'optimisation d'un texte. Par rapport au lexique contexte, qu'on va voir juste après, ce sont les mêmes lexies. C'est une fois que vous avez mis une lexie dans un lien, forcément, dans un lien dans le texte, elle est débitée, entre guillemets, ici. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de la mettre. Ce sont les mêmes lexies, la seule chose, c'est qu'on va essayer de les placer plutôt à côté des liens, de maillage interne, bien sûr. Alors, sachant que, ou même de maillage externe, hein, sachant que, en principe, pour être certain de ne pas se louper dans la rédaction et de ne pas bourriner, que ce soit très simple, j'invite tout le monde à d'abord à s'interroger sur quelle page je vais lier à un endroit donné de la page, puisque j'ai ça dans les recos de maillage. Je veux lier telle ou telle page, ok, c'est ce qu'il me dit. Il me donne des lexies. La chose par laquelle je vais commencer, c'est à trouver la petite phrase qui va me permettre de passer d'une page à l'autre. Je vous rappelle que les lexiques de contexte sont forcément des lexiques communes aux deux pages. Donc, du coup, si vous avez votre sujet de la page cible qui contient les lexiques qui sont là pour la page source, c'est subitement vachement facile à caser. Non pas que vous allez remettre le sujet à l'intérieur du texte, mais intuitivement, c'est plus simple, c'est plus facile. Vous le constaterez, c'est beaucoup plus simple à mettre. C'est humain, hein. Alors que quand la lexie ne fait pas partie du sujet de la page cible, ça peut, parfois, on réfléchit un peu plus pour faire la phrase qui est introduite. OK? Alors, avant de rentrer dans le détail des lexies de contexte, rappelez-vous, ici, ce sont les mêmes lexies qui servent à la fois aux deux. Au demeurant, c'est pas qu'elles servent à la fois. C'est que le maillage étant un maillage dans le texte, logique que les lexies servent à la fois pour le texte et à la fois pour le maillage, au fond. Hein? Donc, les mettez pas deux fois. Hein? Je précise que si vous mettez c'est laid de mettre tout le sujet en tant qu'intitulé de lien. Mais oui, l'intitulé de lien. S'il y a des lexies dedans, ben c'est quand vous mettez l'intitulé de lien là, même si c'est laid, enfin l'intitulé, vous remettez le sujet de la page cible, elles vont effectivement disparaître ici, mais souvent à la lecture c'est lourd, parce que c'est souvent des sujets très longs. Si vous devez mettre deux fois un lien d'une autre page vers apprendre à rédiger pour le web, vous n'allez pas mettre apprendre à rédiger, enfin je ne sais pas, c'est insupportable. On met pas il faut que la phrase, quelque part, colle avec le texte où on est. Sinon, ça fait spammy. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais à la fois l'encre exacte fait spammy et à la fois le titre exact de la page cible fait pas naturel. Je dirais pas que ça fait spammy, ça fait pas naturel. Voilà. Après, à vous de voir, il y a peut-être des cas où ça passe. Hein. Ici, le titre, je dis bien le titre, c'est la title. La H1, si vous voulez la mettre, c'est là. Enfin, là, c'est pas la H1, mais s'il y avait la H1, ça serait celle-là. Encore, c'est peut-être la H1 dans le texte. Hein. Mais ici, c'est bien la balise title. Okay?
Idéalement, vous commencez par ça. N'oubliez pas que vous avez calculé ce sujet-là. Vous commencez à mettre ça. Et derrière, dans la limite du nombre de caractères que veut bien prendre Monsieur Google, du coup, vous aurez compris, si j'ai un texte qui fait 150 caractères, comment je fais pour ma valise title? Ben là où vous êtes créé un problème. Donc, vous n'aurez jamais une balise title super optimisée parce qu'elle va être trop longue. Donc, vous allez devoir couper. Bon, si les pivots du sujet sont là, bon, enfin, vous voyez, mais logiquement, on ne fait pas des sujets de 200 caractères. Voilà. Bon. N'oubliez pas que vous aurez le title à faire après. Donc là, vous allez rajouter éventuellement ça, les une ou deux lexiques qui sont dedans. Bon, si je voulais compléter, apprendre à rédiger pour le web, je pourrais mettre et passionner ses lecteurs, par exemple. J'y ai pas pensé avant, mais ça peut être sympa. Ses lecteurs au... Non, alors ses lecteurs au singulier. Donc, et passionner son lecteur. Hop, je sauve, je calcule. Et je suis passé à 79%. Et j'ai... Combien de caractères là-dedans? 57. Ça va, j'ai encore plus un petit peu de place. On pourrait mettre, j'allais dire, un métier, enfin, peu importe. On peut optimiser un peu, sachant que le principal, c'est quand même le sujet que vous mettez là et vous essayez de rajouter une ou deux lexies. Voilà, ce sont les lexies qui sont les plus déterminantes ici, hein, qu'on vous préconise. Voilà, donc ça c'est pour la partie optimisation. L'endroit où on peut optimiser, sachant que oui, effectivement, conceptuellement, on pourrait se dire, mais pourquoi ne peut-on pas mettre les liens ici directement et, sauf que il y a des gens qui font les textes d'abord, qui font le maillage après, d'autres qui vont faire des textes sans faire de maillage pour une raison bizarre, mais disons qu'ils ont 50 pages, mais il y en a 40 qui vont être maillées. Parfois, on pourrait mettre les clients nous ont demandé de lier les maillages, les cocons, tout ça, avec l'optimisation, mais c'est juste pas possible. Quand vous avez un site en pré-prod, on ne va pas vous demander vos codes pour aller en pré-prod pour relier ça au système. Enfin, il y a plein d'infaisabilités là-dessus. Donc, le texte, on assume que vous l'avez là, vous l'avez copié-collé, il y a toujours une sauvegarde avec vous, hein. Une fois que vous avez fini, n'oubliez pas de finir d'optimiser, de refaire une copie chez vous. En théorie, les data restent. Sur votre compte, mais si vous faites par exemple une fusion entre deux lots, le lot qui arrive dans un autre lot va perdre son contenu. C'est fait exprès, c'est parce qu'on veut sensibiliser les gens au fait que s'ils fusionnent deux lots et qu'ils rajoutent des métabos dans un lot, il faut faire attention à ce qu'on fait. Si on a deux fois le même métabo, par exemple, et que le texte qu'on a fait se trouve dans le lot qu'on injecte, bah, du coup, si on a un texte pour chaque métamot identique, lequel nous on choisit, on ne sait pas. Donc par définition, le texte qui accueille, lui, garde ses données, mais les lots qui sont envoyés, le lot que vous allez fusionner dedans avec le métamot, perdent à la fois leur maillage, et à la fois les data. Donc vous avez dans le résumé, enfin dans l'onglet simulation, vous avez un bouton exporter les data et ça vous sauvegarde tout ce que vous avez fait pour ne pas le perdre. OK? Ah oui, c'est exact, sauf, si tu le fais comme ça. C'est-à-dire que si je rebondis sur ce que dit Philippe, les encres, les liens des encres avec encre de sommeil ne restent pas dans le copier-coller. Si tu récupères ça et que tu fais le copier-coller de ton source HTML, tu ne le perds pas. Hein. Donc là, tu vois bien que quand tu vois le code, voilà. Hein. Il faut songer simplement à aller là si vous le récupérez.
Je ne sais pas par contre si dans la sauvegarde, on met le source HTML ou le texte. Ça, faut regarder. Enfin, en théorie, tout travail sur un site web nécessite un minimum d'attention. On ne peut pas faire les choses quand vous allez mettre un contenu en ligne, il faut toujours faire attention à ce qu'on fait, est-ce qu'on ne va pas supprimer un article qui est pourtant au cœur d'une campagne de pub. Enfin, il faut toujours faire attention sur le web à ne pas faire de bêtises. Donc, on peut pas, il n'y a pas de parachute contre la distraction. Et de toute façon, tout le monde a des distractions, moi y compris, et on fait toujours des petites bêtises. C'est pour ça qu'on garde, faut garder les. Sachez que même nous, on ne les garde pas. C'est-à-dire que vous, c'est sur votre compte, mais en cas de fusion, on ne peut pas les récupérer. Hein. C'est foutu, hein. On ne les a pas. Hein. Donc c'est sur votre espace, mais on ne peut pas les voir, en fait. C'est pour des questions de sécurité. Donc si effectivement vous fusionnez de l'eau et vous perdez vos contenus, ben, vous n'allez pas vous plaindre, on ne peut rien faire. Voilà. Bon. Parenthèse fermée là-dessus. On va passer maintenant à la compréhension de ce qu'il faut faire au niveau d'un contexte de lien. Alors, je vais peut-être rester un tout petit peu ici pour vous expliquer, mais pas longtemps. Ici, vous voyez, j'ai une phrase. À l'œil, je dirais que ça fait une quarantaine de mots, je pense, ou 40 ou 45 mots. Si vous avez, admettons que ça, ce que vous voyez en surligné, c'est mon intitulé de lien vers une autre page. Soyez très naturel, hein. Pensez à bien dire qu'il s'agit d'une autre page, à essayer de rappeler au lecteur ce qu'est la page, mais ne remettez pas systématiquement le sujet complet de la page. Si, ça peut devenir insupportable à lire. Ici, j'ai donc mon intitulé de lien, ce qu'on appelait dans le temps les encres. Bon, parce qu'on les optimisait tellement qu'il n'y avait plus qu'un mot. Ça a une certaine longueur. Bien entendu, si la lexie se trouve, la lexie de contexte se trouve en plein sur le lien, bah, elle fait partie du contexte. Donc si elle existe là-dedans, vous n'avez pas besoin de la rajouter au nom de mettre. Parce que vous devez être la lexie à 15 mots maximum. Elle est dessus, elle est dessus. En théorie, c'est 15 mots à gauche, 15 mots à droite. En gros. Sur le bord droit, 15 mots. Sur le bord gauche, 15 mots. Mais, ça serait trop simple. Imaginez que vous êtes là. Ah, ouais, je peux monter là. Mais si ça, c'est trop court, le paragraphe d'avant compte pas. Donc ça ne peut pas compter pour quelque chose qui est là. Ça, oui, bien sûr. Mais si c'est trop court et que vous mettez votre lien au début, enfin, oui, le lien au début, du coup, vous pouvez retrouver, ben, ça s'arrêtera là, dans tous les cas. Ça s'arrêtera à l'intertitre. Pareil, si vous mettez, par exemple, source fiable là, hein, bon, j'espère que la demoiselle qui a fait le texte ne voudra pas de montrer sa prose, mais si vous mettez ici, vous voyez bien 15 mots, ben, non, ça s'arrête là. Forcément, vous sortez du paragraphe. Si un mot est là, enfin 15 mots à droite, hein, à gauche c'est toujours possible, hein, d'accord? Si votre lien est là, ben je dirais que c'est un peu la même chose, parce que vous avez fait un saut de ligne, et que je dirais que les 15 mots, peut-être qu'ils vont agir un peu moins loin, parce que quelque part vous changez un tout petit peu de micro-sujet quand même. Donc en fait, c'est 15, pourvu que ça soit dans le même. Alors vous allez me dire, je suis sadique, parce que je vous ai dit justement de morceler et je vais vous rendre la vie impossible. Ben oui, mais on est là pour expliquer comment bien faire les choses. Et bien faire les choses, vous avez remarqué dans la vie, c'est une constante. C'est toujours plus compliqué que de mal les faire. Bon, c'est comme ça. Donc d'un point de vue logique, si vous devez faire un lien là, ça ne vous irait pas à l'idée de mettre ce qui introduit le lien là, il faut être logique. Bon. De la même manière, si vous faites un lien vers une autre page là, je ne vois pas pourquoi, vous en parleriez là. Enfin, vous pouvez également en parler, mais la lexie, vous êtes bien entendu la mettre à côté. Enfin, c'est humain, hein. Au fond, ce que je vous dis, c'est frapper au coin du bon sens, mais c'est regarder par Google au coin de son algo. À vous de voir. Donc, en fait,
Du coup, cette notion de 15 mots, elle est quand même relative à l'endroit où vous parachutez votre lien. De la même manière, si vous avez un lien là et un lien là, et je pense notamment à Loïc qui m'a posé des tas de questions là-dessus, je crois que c'est Loïc, non, c'est pas Loïc qui est là, c'est un autre. Eh bien, en fait, ils peuvent se partager la même lexie. Si effectivement vous avez une lexie là ou une lexie là qui est à moins de 15 mots, bah ça marche. C'est-à-dire que si effectivement vous vous retrouvez avec trois liens à mettre là-dedans, en gros, si vous avez 30 ou 40 mots là-dedans, bah vous pouvez arriver à vous servir de trois lexies pour tout. Bon, si tant est que ce soit trois qui fassent partie du contexte de chacun des liens, hein, s'entend. Mais en gros, c'est fédéré, c'est logique, puisque vous parlez de la même chose là. Donc, si vous mettez un lien là, c'est qu'il est pertinent là. Donc, dans la logique, les lexiques contextuels servent pour tout. Il y a peut-être un petit affaiblissement quand même pour si vous mettez un lien là-dessus et puis que vous mettez votre lexie assez loin et entre-temps vous avez trois autres liens. Elle est peut-être un peu plus faible, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est en avoir deux, trois, quatre si vraiment vous voulez, mais c'est pas la peine de mettre tout le dico non plus. Donc, ma foi, essayez déjà de faire une phrase bien sexy ici. Essayez peut-être de trouver les trois points communs entre les trois pages que vous, les trois liens que vous voulez mettre là. Il y a peut-être quelque chose qu'elles partagent dans le sens qui vont vous permettre de faire un petit paragraphe léger qui casse tout et qui sera très naturel, très cohérent pour le lecteur. Donc ne l'oubliez pas, le lecteur. Jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même pour lui hein, que vous faites ça, même si au demeurant, vous voulez que. Quand même que Google s'intéresse à votre prose. Ça n'empêche qu'il faut quand même que le lecteur trouve ça normal. Parce que s'il ne trouve pas ça normal, sachez que Google a observé des tas de comportements de la part des internautes, et s'il trouve que vous avez une façon de faire des textes qui ne peuvent pas plaire parce que statistiquement ça ne plaît pas, il saura vous allumer. Donc de toute façon, par la forme, on peut détecter des tas de choses sur la qualité d'un texte. On peut détecter que ce n'est pas un texte de qualité, mais on ne peut pas détecter s'il est de qualité. N'oubliez pas ce que je viens de dire. On peut détecter si un texte n'est pas de qualité, mais on ne peut pas détecter vraiment s'il est de qualité. Typiquement, vous mettez n'importe quel mot, faites des phrases dans tous les sens, si vous avez une bonne forme, la forme est parfaite. Les phrases ne veulent rien dire, mais ce n'est pas grave, vous faites un peu comme OpenAI. Et puis vous mettez vos lexies. Sur le papier, vous avez la forme, vous avez tout ça, pas de texte au kilomètre, bah, c'est nickel, c'est parfait, ça ressemble à un vrai texte. Vous mettez vos lexies, tout va bien. Et manque de bol, bah, votre lecteur, comme il va rien comprendre, il va zapper. Et au début, Google a cru que c'était un bon texte. Il n'y a pas de faute d'orthographe, il n'y a rien. Sauf qu'il va voir que les gens n'arrivent pas à lire et se barrent. Donc au bout d'un certain temps, vous aurez le retour de bâton, mais pas tout de suite. Quand ce n'est pas le premier, mais quand vous en aurez quelques-uns qui viendront voir et se barreront, et ben, vous verrez que votre texte, il va dégringoler. C'est, s'il n'a pas beaucoup de succès. De toute façon, ce n'est pas votre intérêt de faire quelque chose qui n'a pas de succès. Le viral, ça marche encore. Hein. Même si choper un lien en link betting est peut-être moins évident qu'avant, puisqu'il n'y a pas l'étonnement que pouvaient procurer certains sites web il y a 30 ans ou 20 ans. Aujourd'hui, il y a quand même des super articles qui sortent et qui font l'objet de partage, et pas seulement sur les réseaux sociaux. Vous pouvez avoir des sites de renom qui vous citent parce qu'ils ont trouvé votre truc super et que ça leur donne des idées. Il y a un exemple que je cite justement dans la vidéo de Christophe Vidal, un exemple de link betting bien concret. Enfin, je ne donne pas l'URL, mais c'est quand même un texte qui est paru dans la centrale des consommateurs et qui a fait du coup quand même. L'article de blog a même généré un texte de loi, donc c'est vous dire que, enfin, un projet de texte de loi, donc autant dire que l'article de blog était super bien écrit hein, par le client. Hein. Donc voilà, on peut encore obtenir des liens super sympas, super sérieux, et avoir tout un buzz autour de l'article, et ça marche encore. Mais il faut savoir trouver quelque chose d'intéressant à dire. Quand vous surfez un peu sur l'actu, ou vous surfez, ce qui était le cas là. Le client parlait des mensonges dans sa profession. Et là, en général, c'est un vrai sujet. Il faut faire attention à ce qu'on dit, par contre. Il faut étayer. Mais il y a parfois, effectivement, des discours commerciaux qui sont un peu difficiles à comprendre pour le novice.
Et mon client insistait justement sur l'impossibilité de comparer en toute objectivité différents tarifs et soulignait cet aspect des choses. Et l'article est tellement bien fait, avec des tableaux comparatifs, des tas de trucs, que ça a séduit à la fois les internautes, mais aussi des gens de renom. Et voilà, il y a donc un texte de loi qui est en préparation là-dessus. Et ça, croyez-moi, côté link betting, ça se pose là. Et c'est pas bien entendu aller acheter, bien entendu, c'est pas le genre de la maison. Alors, cela étant dit, je pense que maintenant, sur l'aspect contexte, vous avez à peu près compris, mais n'oubliez pas qu'il y a les questions après. Je vous rappelle que si vous allez dans maillage sémantique, et alors là, j'en ai pas de, donc j'en crée un, hop, hop, j'ai fait une tournante, enfin, un maillage circulaire, j'ai bien rédigé par le web, je dois faire 5 clients sortants, out sortant, et je sais que c'est ces pages-là, et si des fois je ne me souviens pas des lexiques que je dois mettre, quand je clique par exemple ici, j'ai les lexiques qui sont communes. Et donc les trois lexiques qu'on va vous indiquer dans le squelette HTML que vous pouvez exporter ici normalement, même s'il y a un panneau de stationnement interdit, il se trouve que ça marche quand même, s'il y a un petit bug ça, sur certains navigateurs. Mais vous voyez que vous avez quand même le rollover. Et donc si vous cliquez dessus, normalement, vous téléchargez le squelette HTML. Et les trois lexiques qu'on vous conseille font partie de ce paquet-là. Hein. On les choisit pour vous permettre de les répartir plus facilement, mais vous pouvez faire votre propre répartition pourvu que ce soit dans ce paquet-là. Ici, ce que vous avez, c'est la force de liaison. Vous voyez qu'on va de 0,009 à 0,055 ici, dans ce cas-là. Ce qui est amusant, c'est que sur cette page-là, on voit que le lecteur a une grosse force de liaison par rapport à cette cible-là. Vous voyez, on passe de bien rédigé pour le web à comment rédiger du contenu web, c'est-à-dire comment on fait en pratique, et on voit que le lecteur est quand même plus important que le mot web. Vous allez me dire, c'est intuitif. Ben oui, mais l'algo l'a trouvé quand même. Donc c'est plutôt pas mal que l'algo soit capable de vous dire, ben, celui-là est quand même plus sympa, plus naturel. Bon. Et nous, de même, quand on essaye en tout cas, parce qu'il faut qu'on répartisse les lexies. Quand on fait le squelette, on va plutôt choisir parmi les lexiques un peu élevés qui ont une grosse force de persuasion, on va dire. Hein? Mais bon, libre à vous d'en mettre d'autres pourvu qu'elles soient là-dedans. Quand on lit cette page-là, à cette page-là. Si on lit celle-là, ben les lexiques ne sont pas les mêmes. Hein? Là, c'est bien rédigé pour le web. Hein? Comment rédiger pour le web? Ah oui, alors les questions se ressemblent parce que c'est sorti d'Eureka, je n'ai pas fait de tri. Hein? Donc, et en plus, c'est un Eureka rapide. J'aurais mis Eureka normal là-dessus, j'aurais mis le mot à l'écran, donc ça serait pas facile. Bon, ça c'est pour les lexiques de contexte qu'on peut visiter, qu'on peut voir. Bon, là, bien entendu, comme cette page n'est pas liée, bah, forcément, ça, vous pouvez regarder, mais c'est pas passionnant. Voilà, sachant que dans le cas d'un maillage circulaire, moi je vous recommande de vous en tenir à ce que vous propose l'outil, sauf si bien sûr vous voulez rajouter un all-in vers quelque chose, auquel cas la donne est un peu différente, mais vous aurez de toute façon des lexies à mettre à côté, et vous l'aurez dans le PDF, vous aurez la liste des lexies possibles, et pareil, vous ferez votre lien all-in vers la bonne page, hein, en vous servant des lexies de contexte. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses à dire par rapport à ça? Je suis en train de réfléchir. Je crois que non. Par rapport, si on en reste à la rédaction pure, à l'optimisation et au contexte, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Par contre, on a un petit peu de temps du coup pour les questions. Alors, je précise que, par contre, ça, c'est propre au Métamo, hein. Il n'y a pas d'outil qui vous donne ça. Donc, ce que je vous dis là, c'est parce que l'algorithme de calcul fonctionne par extraction de contexte de lien. Ça ne pourrait pas marcher si on scrapait le web, comme j'ai entendu et encore entendu. On ne scrape pas le web au sens où on ne va pas aller chercher les mots que utilisent vos concurrents. Ça n'a absolument aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de se voir ce que cherche Google et notamment quel
contexte de lien, il a apprécié. D'accord? Donc on fait nos petits calculs en amont et on va vérifier ensuite. Alors oui, on regarde ce qu'ont fait les autres, mais après, pour vérifier. Donc ça, les lexiques de contexte, ça ne marche que parce que l'algorithme repose sur les contextes de lien. Ça ne marcherait pas si j'avais fait du TF-IDF ou un algorithme quelconque, style word to vector ou autre. Ça ne marcherait pas. Ça ne peut marcher qu'à cause de l'algo des métamots qui se base là-dessus. En fait, quand vous créez un métamot, vous créez un espèce d'agrégat de pages qui relie une page et vous regardez ce qui est logique, que ce soit dans la page. Ou comme je l'ai dit la semaine dernière lors du live avec Paul Sanchez, ou comme extension de la page. Rappelez-vous, je vous ai dit, quand vous faites un contexte de lien et que vous mettez un lien vers une page, ce contexte de lien est une extension de la page que vous voulez pousser. Par là même, vous pouvez du coup comprendre un petit peu mieux ce que font les métamots, si ils vont chercher les différents contextes de certaines pages et de certains liens, immédiatement. Je peux vous dire que quand je dis que c'est des extensions, je sais de quoi je parle. Et c'est pour ça que ces lexiques-là marcheront. Si vous mettez des co-occurrences à cet endroit-là, ça ne marchera pas. Ça marche parce que c'est calculé avec ça. La parenthèse est fermée. C'est tout. J'en dirai pas plus. Hein? Donc, croyez bien que j'ai mis du temps à le faire, l'algo, hein? À faire des tests sur des milliers de sites, sur des milliers de pages Wikipédia, de sites universitaires et j'en passe, pour trouver comment faisait Google et comment il avait déterminé quel mot devait se trouver dans une page pour être capable de savoir quel mot il devait trouver et quel mot il n'a pas finalement, et comment se valoriser justement en les mettant. Donc ça nécessitait un gros boulot, essayer de reconstituer le puzzle. Et voilà, donc c'est normal que ça marche bien. Les gens qui font du maillage ont tous été relativement bluffés, voire même beaucoup bluffés par les résultats, dès lors qu'il y a suffisamment de pages, bien sûr. Un maillage de 10 pages, c'est pas passionnant. Mais si vous faites ça à l'échelle de centaines de pages qui sont dans votre blog, ça marche d'enfer, quoi. Bon. Voilà. Hein? Là-dessus, on va passer aux questions-réponses. Et il faut mettre les angles sur une série de lexies proposées. Non, pas forcément. 15 mois avant, 15 mois après le lien. Dans le paragraphe qu'on vous a vu tout à l'heure. Excusez-moi. Je vais là. Oups. Je suis allé sur la page sans faire exprès, je n'ai pas cliqué sur le lien chez Coco.SM, mais sur le lien de la page. Donc si je suis ici, hein, ok, ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, si je suis ici, les lexies sont dans le texte. Puis quelque part dans le texte, j'ai aussi l'intitulé. Mais l'intitulé ne fait pas forcément partie de. Enfin, le lexique contexte ne fait pas forcément partie de l'intitulé. Il est simplement dans le même bout de phrase. À vous de trouver comment. Enfin bon, si vous avez importance, ça va se trouver dans un paragraphe qui doit faire un lien vers quelque chose qui a de l'importance quand même. Ce n'est pas des lexiques qui sortent d'un chapeau. Donc, logiquement, elles sont utilisables. Hein. Hein? Voilà. Donc, les encres. Alors. Au besoin, vous pouvez les réécouter, les vidéos. Hein. Elles restent, si vous avez un doute, vous réécoutez, vous pouvez leur passer. Moi, c'est bien, ça me refait des vues. Hein. D'ailleurs, Paul a fait très fort. Hein. La semaine dernière, on a eu 2500 visites sur Periscope, hein, peu de choses près. Enfin, presque 2500. 2500 visionnages, la vache. C'est bien. Hein. Il n'y avait les cocons multi-tête et autres avaient fait un peu plus de 1200, je crois. Donc c'est bien aussi. Mais là, Paul, 1500, là, 2500, pardon, c'est bien. Hein. Sans compter YouTube et autres. Hein. Uniquement Periscope. Alors, c'est grave s'il y a déjà. Alors, Philippe nous demande, est-ce que c'est grave s'il y a des liens présents dans la page? Alors, bon. Ah, ça se mesure au coin du bon sens, ça. Si c'est un lien qu'elle a depuis un certain temps, que la page cible existe toujours, que le texte est là depuis un moment, que la page cible, ça va faire un peu bizarre d'enlever un lien.
Bon. Et bien que Google n'ait pas forcément tout historisé, tout lien qui disparaît ou qui apparaît dans un texte est remarqué, a priori. Pas forcément valorisé, mais remarqué. Et donc, à vouloir enlever tous les liens qu'il y a dans un texte pour mettre uniquement les liens du main circulaire, ça ne me paraît pas forcément très raisonnable. Mais bon, après, si on rajoute plein de contenu, ben, ça peut passer, hein, il n'y a pas de problème. Mais si le texte est quasiment inchangé, tant pis si ça déséquilibre un peu, bon, ben, c'est pas grave, hein. Enfin, j'imagine qu'il n'y a pas 200 liens, quoi. Hein? Mais idéalement, il faudrait quand même plus de liens qui viennent du maillage circulaire que de liens mis à la main comme ça, un peu au petit bonheur la chance. Mais bon, si le lien est là depuis un certain temps, vous pouvez quasiment pas l'effacer. Au pire, ce que vous pouvez faire, c'est si vous rajoutez du texte, rajoutez-le au début de la page, comme ça le lien qui était là avant, il va descendre, hein. Et donc il va être un peu plus loin, et donc du coup être peut-être éventuellement dans certains cas un peu dévalué par rapport à ceux qui sont devant. Je dis bien dans certains cas, hein. Si vous faites un texte qui est très documentaire avec des sources, des références en bas, la référence compte beaucoup. Par contre, dans tout type de texte, on peut penser que les liens qui sont en fin de texte comptent un peu moins. Ça dépend du contexte de l'article, en fait. C'est pour ça que toutes les grandes discussions sur les surfeurs raisonnables trouvent leur limite dans le type de texte qu'on a en face de soi. Un texte scientifique, c'est normal d'avoir plein de références, et je suis convaincu que les références à la fin comptent au moins autant qu'un lien qui est au début de l'article. Ça paraît normal. Bon. Je dirais qu'à la limite, un lien qui est au tout début de l'article, comme on les fait souvent dans les cocons, mais les textes, au début des textes, on met les liens les plus importants. Alors moi, je peux vous dire que en tant que lecteur, si je clique là-dessus, ça veut dire que la page où je suis déjà m'intéresse pas. Donc, il faut se réfléchir à la question, est-ce que vraiment j'ai envie de montrer que la page n'est pas buvable? Ensuite, quel type de recommandation et de valeur peut donner une page qui n'est pas lue à un lien? Moi, je m'interroge également beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'un bon lien, qui a une bonne valeur, c'est un truc en plein milieu ou à la fin. Ce n'est pas un lien qu'au début. Au début, c'est quelqu'un qui s'en va. Or, bien entendu, il peut l'ouvrir dans une fenêtre ou autre, mais les gens ne sont pas aussi compliqués que ça. Ils cliquent, c'est tout. Donc, réfléchissez-y. Moi, les liens en début de texte, j'y crois pas des masses. Mais bon, après, ça marche quand même, hein. Mais c'est quand même quelqu'un qui s'enfuit, qu'on se le dise. Voilà. Allez, je prends d'autres questions s'il y en a. Si ça dure un peu moins longtemps que d'habitude, c'est pas dramatique, hein. Alors, profitez-en. Alors, si, et comme je sais que le support est plein de gens qui posent des questions sur les contextes de liens, donc du coup j'en ai profité pour structurer mon laïus, mon discours là-dessus, sur la base des questions qui m'étaient déjà posées. Donc j'ai anticipé un peu, mais s'il y a d'autres questions, faut y aller. Alors. Plus la valeur est forte, mieux c'est. L'Alexis, il ne faut pas raisonner en termes de force. Je réponds à une question précédente de Philippe sur YouTube. Il ne faut pas raisonner en termes de force. Je parle de capacité de prédiction. Mais c'est pas, même si une Lexie est très forte, si les deux aux autres Lexies qu'on met à côté. Ont plus de sens en elles-mêmes comme pour introduire la page que l'on va pointer, faut regarder aussi avec les yeux de l'être humain. Sur le papier, une lexie forte c'est bien, mais une lexie seule ça vaut rien. Donc il faut qu'il y ait deux trois lexies minimum, pas forcément plus d'ailleurs que trois, mais qu'il y en ait trois. En général, on met une forte, une moyenne, une faible. Bon. Pourquoi pas, hein. C'est pas mal.
En fait, c'est vraiment le fait d'en avoir plusieurs qui vont donner des indices concordants, c'est toujours pareil, hein. Le lien avec les encres de sommaire, ça, ok, on a vu. Au début, tu étais dans la rubrique rédaction, mais moi, j'ai pas de sous-menu dans cette section. Au début, tu étais dans la rubrique rédaction. Bah, la rubrique rédaction, c'est là, on clique sur optimisation. Alors, bien sûr, il faut un lot, hein. Et ensuite, on clique sur soit là-dessus, ici, soit sur le titre. Il faut faire attention de ne pas cliquer sur le lien en dessous, puisque là, c'est une URL. Soit on clique sur le titre et on arrive dans la rubrique rédaction. Faut choisir le métamot si on en a plusieurs. Hein. On n'arrive pas comme ça dessus. Hein. Et pareil pour la simulation qu'on a vue tout à l'heure, c'est ici. Hein, et on navigue. OK? Alors, pour l'instant, je ne vais pas parler des parfums, je ne vais pas parler de tout ça. On verra ça une prochaine fois, parce que ça fera faire beaucoup après. Voilà. Donc, est-ce que Philippe, ça va pour la rubrique rédaction? Ici, il n'y a pas de vrai sous-menu. Il y a le métamot, puis il y a les entrées. Vous avez vu qu'il y a ça aussi, hein, accès rédacteur à gauche, qui permet de donner à des rédacteurs la possibilité d'écrire sans avoir accès à tout le compte. Ils sont liés à un lot. Vous leur donnez un droit, vous mettez simplement le pseudo, et puis vous rentrez si vous êtes deux rédacteurs, vous rentrez deux pseudos, et ils ont accès, tous, hein, c'est partagé entre tous, à tout le lot en question, et ils peuvent donc écrire. À tout moment, vous pouvez révoquer. Hein. Dans le menu, je ne vois pas de sous-menu simulation. Il faut cliquer ici, choisir un métamot, hein, bien sûr, enfin un lot, pardon. Donc ici, quand je suis dans mes métamots et démos, je reprends du début. Je reprends mes métamots et démos, il faut que ça charge. Je refais le process. Hein. Alors je précise que c'est un lot à moi, ce n'est pas un lot de démos. Hein. Enfin, je suis dans mon compte démo, mais c'est un lot que j'ai calculé il y a 3 jours, ça. Hein. Ce n'est pas un lot qui est stocké sur votre compte. Les lots Panda, assurance, tout ça, c'est le lot stocké qui date un petit peu d'ailleurs, et sur lequel vous n'avez pas tout. Vous avez juste quelques exemples. Donc, une fois que, bon, si ça veut bien y aller, je pense que le flux vidéo prend beaucoup de bande passante. Ah bon, ça y est, c'est bon. OK. Donc, Philippe nous fait, je vous refais le commentaire en live. C'est bon, j'ai trouvé le menu. Bon. Voilà. Voilà. Donc, Yaka. Allez, je vous laisse un petit peu de temps pour trouver une question ou pas, ou sinon, ben, c'est bon. La fois prochaine, on parlera sans doute, par contre, des parfums, parce que ça peut être sympa. Qu'est-ce que ça veut dire, les parfums? Et qu'est-ce que veut dire le potentiel? Alors, bon, ben, apparemment, il n'y a plus de. Puis moi, je suis en carafe, apparemment, au niveau de la connexion. Tout doit passer dans le live. Et le pauvre petit navigateur, il n'a plus le droit à rien. Donc, voilà, je vais arrêter le chargement. Voilà, donc, à l'occasion, on fera aussi qu'on parle d'Eureka. Et. Ah ben, comment s'en servir? Ah ben, ça sera une prochaine fois, effectivement. Et on est en train de réfléchir parce que dans le dispositif que j'ai ici sur Eureka, où j'ai une version extrêmement. Dites-vous bien que même l'Eureka normal que vous avez sur Concours SE est une version qui est très 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 light par rapport à la version que j'ai ici. Puisque, par exemple, la version que j'ai ici me permet même d'aller faire des recherches sur des points d'intérêt, par exemple, les sites de l'UNESCO, des choses comme ça. J'ai la possibilité de chercher dans des villes, j'ai la possibilité de chercher dans les fêtes, en fonction, je peux orienter complètement les recherches, tout simplement en remplaçant un JSON avec les bonnes valeurs dedans. Bien entendu, dans la configuration par défaut d'Eureka,
qui est sur le sur CocoSE, on a fait un pré-réglage pour rendre la vie simple aux gens. Et notamment, on n'a pas mis la recherche dans les communes. C'est-à-dire que s'ils trouvent, allez, le bon exemple, pas du tout, c'est pas mis, vous voulez être plombier, vous voulez vous référencer sur plombier, il ne va pas chercher plombier Paris, sauf si vous le mettez, bien sûr, plombier Paris dans les sujets. Bon. Enfin, dans les mots de départ. Donc là, on est en train de réfléchir à la possibilité de brancher les 60 000 villages et villes que j'ai et dans ma bibliothèque d'Eureka, qui est une grosse bibliothèque de data. Et on a aussi enfin toutes les communes, logiquement, villages des dom-toms. Et donc ça permettrait, le cas échéant, de rechercher à peu près n'importe quoi en intégrant la commune sans coût, enfin un petit coût supplémentaire, mais light. Et donc ça permettrait, si vous faites du local, mais pas du local à un endroit, mais du local partout, alors vous voulez vraiment être présent partout, de trouver des tas de sujets. Alors, on est en train de réfléchir à ça, parce que l'inconvénient, c'est que c'est coûteux en temps machine, mais on sait le faire, hein, on l'a. Moi, je prépare un produit aujourd'hui, enfin. Je ne peux pas vous en parler aujourd'hui, mais je prépare quelque chose qui intègre cette notion de localisation générale. Et donc, par exemple, faites une recherche autour de Paris, autour de à peu près n'importe quoi. C'est impressionnant le nombre de choses qu'on trouve autour de Paris. L'outil, je crois qu'il a trouvé 15 000 sujets rien que sur Paris. Et Paris intramuros, hein. On lui donne Paris, dans Eureka, il trouve 15 000 sujets, même dans la version qui est en ligne, je pense. Donc, par contre, on va vous détester et probablement qu'on va vous couper parce que la recherche est trop carnivore. Hein? Mais elle prend trop de temps machine, donc c'est l'inconvénient. Il y a les autres qui attendent. Puis, Eureka, ça beaucoup. Hein? C'est vraiment toutes les personnes qui, pour parler métabo, on fait des Eureka rapides pour défricher. Hein? Donc. Alors tiens, s'il y a quelque chose, je vais rebondir sur peut-être sur un truc. Je vais pas digresser, mais vous allez voir, c'est quand même en lien avec ce qu'on a vu déjà. Et donc, si je veux le dire, je vais pas faire une session là-dessus, mais c'est peut-être l'occasion de le dire. J'ai eu le cas il n'y a pas très longtemps de quelqu'un qui avait une liste de peintres, de peintres apparemment de street art notamment. Mais l'inconvénient des deux noms de peintres, c'est que les noms, ben, même un nom, prénom, vous pouvez trouver plusieurs personnes en France ou à l'international qui portent le même nom, prénom. Et s'ils ne sont pas dominants sur leur nom, prénom, ils peuvent avoir des tas d'homonymes et Google ne sait pas quoi en faire au fond. Et nous non plus, on ne sait pas où regarder, on ne sait pas si on est. Et donc du coup. Quand on a un métamot et qu'on calcule un métamot sur un nom d'artiste, alors que l'artiste n'est pas reconnu en tant qu'entité nommée, je vous rappelle ce que c'est qu'une entité nommée, c'est la conjugaison très souvent de deux mots ou de trois mots qui ont un sens différent de chaque mot mis l'un à côté de l'autre. Au début, on donnait l'exemple de Tiger Wood en anglais qui veut bien entendu, c'est pas le tigre et, bon, et le bois. C'est, comme chacun sait, sauf erreur, ça doit être un sportif, n'est-ce pas? Bon. Donc, effectivement, Tiger Woods n'était pas reconnu en tant qu'individu. Et donc, les résultats étaient n'importe quoi. Dès lors que l'entité nommée Tiger Woods est rentrée notamment dans Wikipédia, Google a su que ce n'était pas séparable. Enfin, les deux étaient ensemble, ça avait un sens différent que agglomérer les deux l'un à côté de l'autre. Et donc, par là même, a pu donner des résultats cohérents. C'est pas vieux, hein, ça date de quelques années à peine. Du même coup, vous pouvez vous interroger quand vous avez des noms, prénoms qui ne sont pas connus encore de Google. Vous les tapez et il y a tout et n'importe quoi qui remonte parce qu'ils n'ont pas une présence sur le web énorme ou alors ils sont 50 000 à avoir le même nom, prénom, à avoir une présence web importante. Et vous avez un art qu'ils pratiquent. Moi, je vous suggère, si vous voulez faire un maillage avec un truc pareil, de ne pas vous contenter de mettre le nom prénom quand vous calculez le métabo, mais par exemple, nom prénom, artiste de, et quelque chose, et essayer de préciser, pour que derrière, vous puissiez faire un maillage entre cette page-là
et tous les sujets sur le street art que vous voulez faire. C'est un exemple. En fait, vous trouverez sur mon blog un vieil article sur une conférence que j'ai fait, oh c'est vieux, peut-être en 2013, enfin c'est vieux, qui s'appelle Les mots fléchés. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que quand vous tapez mots fléchés, même dans Google Images, je remonte très très bien. Je n'ai pas fait exprès. Et je montre comment faire un parcours. En fait, vous faites une page, vous rajoutez un mot qui vous permet de faire un lien avec la page suivante. Donc c'est un mot qui va être commun au sujet de la page A jusqu'à la page B. Mais la page B, il y a seul ce mot qui est en commun. Vous en rajoutez encore un qui va vous permettre de lier une page C, etc. Donc en fait, c'est un peu le, vous savez, cheval de bois, bois de machin. Bon, c'est le même principe. Vous rajoutez des mots et vous baladez comme ça. Et ça, quand vous avez une rupture entre une page dont vous avez calculé le métamot et d'autres pages que vous jugez, vous, importantes, si vous voulez arriver à mailler les deux alors que le système vous dit non, c'est pas maillable, il faut faire une page intermédiaire. Une page qui va être, enfin un métamot qui va permettre de lier, de servir de tampon entre les deux. Et souvent, on arrive en spécialisant un peu la page qui est laissée de côté, on arrive à intégrer un lien naturel entre deux pages alors qu'avant on n'y arrivait pas. On n'y arrive pas parce qu'en fait, dans les deux pages, vous avez une expression ou un sujet qui est trop vague pour Mister Google. Alors, soit vous le faites en améliorant votre sujet de la page qui est laissée pour compte, soit vous faites une page intermédiaire entre les deux. Dans certains cas, ça peut suffire. Dans d'autres cas, il faudra faire une amélioration de la première en donnant, par exemple, bah, si c'est un chanteur, vous mettez chanteur. Et vous pouvez mettre, je sais pas, un chanteur de musette, si vous voulez, s'il est chanteur de musette, ou voilà. Et si éventuellement il est un homonyme du 19e siècle, au 19e siècle, alors pas dans le street art bien sûr, mais un peintre du 19e, vous pouvez mettre article du 20e siècle, voilà, ou quelque chose qui précise un peu les choses, et vous verrez que subitement ça va mieux se mailler. Et c'est souvent une question que j'ai dans comment faire, comment faire, comment faire. Ben, voilà. Il faut penser, essayer de vous imaginer quand vous tapez un sujet et que le métamot vous permet. Demandez-vous si vous prenez quelqu'un dans la rue, vous lui balancez le nom, il va vous regarder et il va pas savoir ce que vous lui voulez. Mais tu sais, je te parle de ça, du gars qui est passé à la télé et là vous donnez un élément d'information supplémentaire qui permet à la personne de comprendre ce qu'elle n'avait pas compris en première lors de la première occurrence de votre mot-clé, si j'ose dire. Et pensez à faire la même chose. Si quelque part c'est imprécis, donnez un petit terme qui spécialise, qui situe les choses. Et là, subitement, ça va aller mieux. Alors, bien entendu, après, il y a l'intention, il y a la motivation, il y a tout le reste. Mais déjà, que votre sujet principal, enfin, l'objet principal de votre page soit compris, c'est pas mal. Spécialisez un peu. C'est tout bête. Si vous voulez parler de George Washington, l'acteur, on mettait George Washington, acteur de renom, voilà. On saura bien que quand on parle de Washington dans ce cas-là, ce n'est pas ni le président, ni la ville, ni l'administration qui est là-bas, on saura de quoi on parle. Si vous avez envie de dire Washington, là où les dés sont pipés, par exemple, c'est pas assez clair. Bon. Il ne faut pas faire de jeu de mots, voilà. Mais si vous expliquez un peu mieux les choses, on va comprendre qu'on ne parle pas de l'acteur, qu'on parle pas de, on va parler, comprendre qu'on parle là de l'administration. Donc essayez d'améliorer, en fait, comme vous aviez quelqu'un qui est en face de vous et qui ne sait pas, qui n'est pas dans votre tête et qui doit comprendre de quoi vous voulez lui parler. Voilà. L'utilité du menu rédaction Métamo. Alors, ben, c'est pour permettre d'optimiser, puisqu'on a le. Là, Philippe, il faut que reprendre au début. Hein. Rédaction Métamo, ça permet d'aller rédiger et d'optimiser son texte avec les lettres à droite. C'est bien utile. Là, pour le coup, c'est moi qui ne comprends pas la question. Alors, sachant que. Pourquoi doit-on rédiger? Parce que sincèrement, si on veut faire du maillage, il faut quand même mettre du texte et il faut quand même mettre les lexies. Donc ça peut être bien de savoir où on en est lorsqu'on rédige. Bon, on va pas mettre juste les liens comme ça sans texte. Donc permettre aux gens de savoir où ils en sont, ils peuvent très bien
faire comme j'ai fait là. Ils rédigent pas, mais ils aspirent la page. Ils mettent leur adresse, ils aspirent, et puis ils voient où ils en sont. Hein. Bon. Voilà. Alors, quand je clique dedans, je vois rien à cliquer. À cliquer, où à cliquer? Ben, il faut avoir un... Quand je clique dedans. Alors, donc, on est dans optimisation ici, dans la liste. Soit on clique là, soit on clique sur le titre. Alors ici, je n'ai pas cliqué sur le titre parce que j'ai le lien vers la page web juste en dessous. Voilà. Bon. Ah, non, rédaction Metamo, oui, non, mais ça, c'est quand on a donné accès à un rédacteur. Excuse-moi, j'étais pas sur le menu, moi. Ici, c'est quand tu es rédacteur pour un client. Tu cliques dessus pour aller voir tes lots, les lots qu'on t'a délégués. Donc ça ne concerne pas nous puisqu'on est, entre guillemets, éditeur. Mais si je m'appelle Crunch, par exemple, et qu'on m'a délégué le fait d'écrire sur ce lot-là, moi quand j'arrive, je ne clique pas là-dessus, je vais cliquer là. Et là, je clique dessus et j'ai accès au lot dont on m'a délégué la rédaction. Mais on retrouve... en fait, ça, on retrouve ça. Sauf que on ne voit pas le reste. Et mais quelqu'un peut être rédacteur ici et éditeur là avec d'autres lots. Hein. OK? Mais si tu as délégué personne, oui, ou si personne t'a délégué, tu verras rien, je suis d'accord. Hein. voilà. Sachant que quand on veut déléguer, ça se passe ici. Hein, c'est tout con. Hein, tout simple, pardon, on rentre le pseudo de la personne et on fait donner un accès. Et ici, on a la liste des gens auxquels on a donné un accès. Ces gens-là, quand ils se connectent, ils vont ici et ils voient ce qu'on leur a donné. Aussi simple que ça. Voilà. Sachant qu'on peut bien entendu retirer un accès à quelqu'un. Hein, à tout moment, si le gars ou la fille ne convient pas ou simplement la mission est finie. On peut lui enlever les grantes, voilà. Alors, avec cette différence quand même, c'est que tout le monde voit tout le lot. En fait, les accréditations sont données lot par lot. C'est-à-dire, si vous avez 300 pages à rédiger, vous mettez 5 rédacteurs dessus, les 5 verront les 300. Bon, on n'est pas allé plus loin que ça. On pourrait le faire texte par texte, mais ça, après, c'est un Boeing, quoi. Déjà que les gens ont un peu de mal à servir de cette interface-là, à tout complexifier, on finit par perdre l'objectif final. Bon, voilà, normalement, ce sont des équipes internes qui, quand il y a beaucoup de pages, ce sont des équipes internes qui le font. Donc, c'est partagé, c'est pas grave. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais tout vous laisser. Et puis, réécoutez s'il le faut la vidéo, si vous êtes en panne à un moment, je pense qu'on a fait le tour de tout. Voilà. Donc, je vous dis au revoir à tout le monde. Et puis, à la semaine prochaine, on parlera, a priori, je vous le disais, des parfums et des potentiels pour essayer de comprendre ce que ça fait. Puis, on entendra peut-être un peu plus de choses sur Horeca. Mais Horeca est tellement simple. Hein. Voilà. À bientôt!